abbiamo in momento carattere, abbiamo positività e affiatamento dei giocatori dentro nostra squadra. Per l'instant on a un buon carattere, una buona attitudine e soprattutto una buona coesione tra i giocatori che sono all'equipe nazionale. Anche se abbiamo vinto 5-1, ci sono parecchie cose ancora da correggere. Même si on a gagné 5-1, il y a vraiment beaucoup de choses à corriger et beaucoup de choses où il faut y travailler. Siamo stati primo tempo un po' troppo scoperti su parte destra davanti alla difesa. Pendant la première mi-temps, on a donné trop d'espace et de liberté à l'adversaire dans notre partie droite. E questo abbiamo corretto secondo tempo e io on a apporté des petites corrections pendant la mi-temps. E penso non ultima, la prima cosa dovevo dire è che questa squadra anche di Togo non è male. E una cosa che il coach vuole assolutamente dire, c'était pas la dernière qu'il fallait dire, ma il vuole aussi dire che l'équipe de Togo c'est quand même une bonne équipe. On a pris 5 buts, 5 buts su des erreurs individuelles. Et on était prévenu par rapport à la manière dont l'Algérie jouait dans les phases de transition. Donc on connaissait un peu la force offensive de cette équipe. Et on savait aussi des erreurs à ne pas faire, mais on est arrivé après la mi-temps, la première bonne mi-temps. On est retombé dans ce genre d'erreurs et on était vite sanctionné. Alhamdulillah that we won. I'm very thankful for the coach and for the team that... الحمد لله. أشكر المدرب والفريق على هذا الفوز العريض وعلى الأداء المميز. لقد سيطرنا على كامل مجريات المباراة. أشكر أنصار المنتخب الوطني على ما قدموه. أنتم الأفضل دائما.